Franklin Roosevelt, au lendemain du débarquement de 1944, avait des idées assez particulières sur le destin de la France. Il voyait la France comme un allié de second ordre. Et même, ce n'était même pas un allié, puisque pour lui, c'était quelque part un vaincu. Donc il y avait toute une ambiguïté sur cette alliance. Et il voulait faire de la France une sorte de structure administrée, par en haut, etc. Finalement, il a cédé, ou les Américains ont cédé, ils ont accordé à la France un siège au Conseil de sécurité et également une zone au niveau de l'Allemagne, mais ce n'était pas dans l'esprit de Roosevelt. Mais de la même façon, là, nous avons une situation un peu bizarre aussi avec le nouveau Front populaire qui veut traiter son allié du Front républicain comme un élément totalement secondaire qui a perdu les élections, etc. Enfin, ouais.